Kate Middleton est enceinte de son troisième enfant. Alors que son accouchement est prévu pour le courant du mois d'avril, la duchesse de Cambridge continue d'honorer ses engagements royaux. Et la mère de George et Charlotte ne semble pas prête de lever le pied. Samedi 17 mars, c'est une Kate Middleton radieuse qui a fait son apparition lors de la parade de la Saint-Patrick à Oslo en présence du 1er bataillon des gardes irlandais. Très enceinte, la duchesse de Cambridge avait néanmoins tenu à faire le déplacement, joliment vêtue d'un long manteau de velours vert, un bibi assorti habilement posé sur la tête et un joli bouquet de fleurs printanières dans les mains. Une sortie officielle, qui pourrait bien être la dernière avant son accouchement prévu au printemps. En effet, Kate Middleton pourrait bénéficier, comme toute femme enceinte du royaume, d'un congé maternité. Selon les informations du site Metro, la femme du prince William aurait pu profiter de 11 semaines pour se reposer avant l'arrivée de son troisième enfant. Mais la mère de famille ne l'entend visiblement pas de cette oreille, comme pour ses deux précédents enfants, Kate Middleton pourrait bien largement écourter son congé maternité. Pour le prince George, elle s'était arrêtée 4 semaines avant la naissance de son fils et pour la petite princesse Charlotte, seulement 2 semaines avant son accouchement. Le palais de Kensington n'a pas précisé si cette sortie lors de la Saint-Patrick était la dernière notée à son agenda avant son accouchement. Un heureux événement prévu pour le courant du mois d'avril. Mais si l'arrivée de ce royal baby se fait un peu attendre, il pourrait poindre le bout de son nez le jour où la princesse Charlotte soufflera ses 3 bougies, soit le 2 mai prochain, crédit photo, Best Image.